Jésus est bon. Jesus is good. Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon. Jesus is good. Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon. Jesus is good. Oh, Jésus, tu es bon, Jésus, tu es bon. Oh, Jesus, you are good. Dis jusqu'à ce que tu sois rempli du Saint-Esprit. That is till you are filled with the Holy Spirit. Oh, Jésus, tu es bon, Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon, Jésus, tu es bon, Jésus, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh, Jésus, tu es bon, tu es bon. Quelques personnes pour proclamer ça ici. Prenez le micro. Let some people come and proclaim Jésus, it tu es here. Bon, tu es bon, tu es bon. Oh, Jésus, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh, Jesus, you are good, you are good, you are good. Seigneur Jésus, je proclame que tu es bon. Amen. Oh Seigneur Jésus, tu es bon. Ton secours est parfait. Tu es bon. Ta délivrance est parfaite. Tu es bon. Ton assistance est parfaite. Amen. Notre Père, tu es si bon. Tu es si bon, 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 tu es si bon. Au nom de Christ. Amen. Oh Jesus, you are good. You are marvelous, Lord. You are good, you are good, you are good. You are good, you are good, Lord. Lord, you are good, you are good. In Jesus' name. Amen. Seigneur Jésus, tout ce que je vois ne suggère qu'une seule chose, ta bonté. Oui, je proclame que tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon pour ma famille. Sois élevé, sois exalté. Amen. Seigneur, tu es bon. Les autres prient ensemble. Pray together. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es sans pareil. Tu es bon, 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 tu es bon. Merci Seigneur. Thank you Lord. Luc chapitre 19. Luke chapter 19. Verset 41 à 48. Verse 41 to 48. Luc 19. Luke 19. 41 à 48. 41 to 48. Écoutons. Listen. Gloire à Dieu. Luc 19, versets 41 à 48. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront et de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière,
Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais il ne savait comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Amen. Luke 19, reading from verse 41 to 48. As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it and said, "If you, even you, had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in on every side. They will dash you to the ground and the children within your walls. They will not leave one stone on another because you did not recognize the time of God's coming to you." Then he entered the temple area and began driving out those who were selling. "It is written," he said to them, "my house will be a house of prayer, but you have made it a den of robbers." Every day he was teaching at the temple. But the chief priests, the teachers of the law, and the leaders among the people were trying to kill him. Yet they could not find any way to do it because all the people hung on his words. Amen. Est-ce qu'il y a un invité dans ce lieu? Parce qu'il faut que je sache. Do we même have s'il y a une personne? Someone who has been invited here, even if it's only one person. Oui, il y a des. Oui, levez les mains. Donc, oui. Yes, there are guests. Oui, les autres, ce côté. S'il y a des invités, levez les mains. Do we have guests okay. on this side? Ici, ok. Là-bas. Ok, donc on va expliquer cette parole. So we'll explain those words. Je l'ai choisi. I chose it. Je l'ai choisi avant notre prière de ce soir. I chose it before our prayer of today. Le but The goal est d'amener tous les invités à devenir comme nous afin que nous puissions prier ensemble. Is to lead all the guests to be like us so that we may pray together. Nous sommes les enfants de Dieu. We are children of God. Nous le sommes devenus en donnant nos vies à Jésus. We became it by giving our lives to Jesus. En faisant de Jésus notre sauveur et notre Seigneur personnel. By making Jesus our Savior and our Lord, our personal Lord. Il est pour nous. So is for us. Notre médiateur entre our nous et Dieu. Between us and God. Le seul. He's the only one. Qui a versé le sang. Who poured his blood. Pour nous rapprocher de Dieu. To put us close near God. Pour expier, pour notre expiation. For our astonishment. Pour notre justification. Our justification. Pour notre adoption. For our adoption. Pour notre sanctification. For our sanctification. Pour notre purification. For our purification. Et nous sommes devenus des enfants de Dieu. And we have become children of God. Écoute notre conseil. So listen to our advice. Jésus entrait dans Jérusalem. Jesus were entering Jerusalem. La parole de Dieu dit. The word of God says. Que quand Jésus lit verset. Read. 41. Verse 41. Comme il approchait de la ville. Comme il approchait de la ville. As drawing near the town. Jésus, en la voyant. Jésus en voyant la ville. Jesus seeing the town. Pleura sur elle. Pleura sur la ville. He wept on it. Jésus devait entrer dans la ville de Jérusalem. Jesus was to enter in Jerusalem.
Et pendant qu'il approchait, s'approchait de la ville, while he was getting close to the town, il a pleuré sur la ville. He wept. Jésus de Nazareth, Jesus of Nazareth, a pleuré sur Jérusalem. He cried on Jerusalem. Jésus de Nazareth, Jesus of Nazareth, a pleuré sur Jérusalem. Cried on Jerusalem. Il devait entrer dans la ville. He was to enter the town. Et au fur et à mesure qu'il approchait, and over the time he was getting close, il s'est mis à pleurer. He started crying. Pourquoi pleurait-il? Why was he crying? Pourquoi Jésus pleurait-il sur Jérusalem? Why was Jesus crying on Jerusalem? Pourquoi Jésus de Nazareth, le Fils Why de Dieu, Jesus of pourquoi Nazareth, pleurait-il Why was he crying sur Jérusalem? On Jerusalem? Pourquoi Why pleurait-il Why was he sur Jérusalem? On Jerusalem? Écoutons. Listen. Et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Jésus avait constaté que personne that no one n'avait discerné had discerned que le Fils de Dieu était that là. The Son of God was there. Personne no one n'avait discerné had discerned que les choses étaient différentes ce jour-là. That things were different that day. Qu'il y avait quelqu'un dans la that ville. There was someone in the Il y avait quelqu'un qui s'approchait de la ville. Who were getting close of a town. Qui dépassait tous les rois de la terre. Who was beyond all over all the kings. Jésus-Christ de Nazareth, Jesus Christ of Nazareth s'approchait de Jérusalem. Was getting close to Jerusalem. Et personne ne savait and no one was aware que ce dont nous avons besoin that what they needed est déjà là. Is already there. Et il pleurait. So he's crying. Il disait, Jérusalem, he said, Jerusalem, tu es comment? How are you? Tu ne sais pas discerner tes vrais besoins. You cannot know your true needs. Tu ne sais pas discerner ce qu'il te faut pour ta protection. You don't know what you need for your protection. Tu ne sais pas discerner ce qu'il te faut pour ta vie. You don't know what is needed for your life. Pour la vie de tes enfants. For the lives of your children. Je suis là. I'm there. Et vous ne savez pas que je suis and là. You don't know that I am there. Et Jésus pleurait. And Jesus was crying. Je vais dire une chose. Jésus pleure sur toi. I'm telling you one thing. Jesus is crying on Jésus you. Jésus pleure sur toi. He's crying for you. Jésus pleure sur toi. Jesus is crying for you. Tu entends, on dit Jésus, 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 Jésus. You hear people saying Jesus, Jesus, Jesus. On chante, on fait beaucoup de choses. They sing and they do many things. On rend témoignage. They give testimonies. Mais pour toi, but for you, ça ne te dit rien. It is nothing. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. You don't even know what it's about. Tu ne comprends même pas. You don't even get it. Et Jésus pleure sur toi. And Jesus is crying on you. Jésus pleure sur toi. He's crying for you. Jésus pleure sur toi. He's crying for you. Jésus pleure sur toi. Jesus is crying. Tu as des fardeaux. You have burdens. Tu as des maladies compliquées. You have complicated diseases. Tu es oppressé quand tu dors. You are oppressed while you are sleeping. La pauvreté. Poverty. T'as déjà paralysé. Has already paralyzed you. Tu ne dors pas. You don't sleep. Parfois tu veux te suicider. Sometimes you want to commit suicide. Mais Jésus est là. But Jesus is there. Tu ne sais même pas que Jésus est là. You don't even know that Jesus is tu there. Tu ne sais même pas qui you peut te dire. You don't know that he is there. Tu veux te marier. You want to get married. Les autres se marient. Deux always mois, ils sont married. Déjà mariés. Pour ton tes fiançailles durent 10 ans, 15 ans. They are already married, but you, your engagement lasts. Et Jésus est là. Jesus is there. Ça ne te dit rien. And it does tu prends ça à la légère. You take it lightly. Tu dis ça va aller. You say it's going to be well. Jésus sait que ça ne va pas aller. Jesus knows that it won't be well. Jésus sait que sans lui, ça ne peut pas aller. Jesus knows that without him, it cannot be well. Il sait que sans lui, ça ne peut pas aller. He knows that without him, it cannot be well. Et il pleure. And he's crying. Il dit, hey, regarde celle-ci. He said, look at this one.
Regarde celle-ci. Look at this one. Regarde celle-ci. Look at this one. Regarde celui-ci. Look at this one. Regarde sa manière de croire en moi. Look at his way of believing in me. Il croit le matin, il doute à midi. He believes in the morning, he doubts at on midday. Regarde sa manière de croire en moi. Look at his way of believing in me. Regarde comment il croit. Look how he believes. Sa foi n'a pas de vie. His faith has no life. Il croit, il pêche, il croit, il pêche, il croit, il pêche. He commits sin, he believes, he commits sin. Sa foi n'est pas sanctifiée. His faith is not sanctified. Il est assis ici. He's sitting here. Il pense ailleurs. He's thinking somewhere else. Vous avez écouté le témoignage ici hier. You listened to the testimony yesterday. Un jeune homme est venu. A young boy. Les démons lui demandent de quitter. Demon were asking him to leave a place. Je vous dis une chose. I'm telling you one. Si tu trouves quelqu'un. If you find someone. Qui est en colère contre la CMCI. Who is angry dans cette nation, pas ailleurs. Je n'ai pas le témoignage des autres nations. In this mais nation, ici, not in another country. Il faut le mettre dans le viseur. Tu l'observes. You must look at, watch him. S'il n'est pas sorcier, c'est les sorciers qui le manipulent. If he is not a witch, he is being manipulated by the witches. Le jeune homme était là. Vous avez écouté son témoignage. The young man was there. You listened to his testimony. Quatre esprits. Four spirits. Un avec les cornes. One with horns. Il dit quitte, va, quitte. Qu'est-ce said, que tu fais leave ici? Leave this place. Go, go. What are you doing here? Il dit que la première fois quand il est arrivé. He said the first time when he arrived. Il est rentré malade. He went home sick. C'est curieux. This is very amazing. Il était là où les malades guérissent, mais il est rentré malade. He was where people are healed, but he went home sick. Sorry, why? Des démons puissants étaient dans sa vie. Because powerful demon was in his life. Et ils ne voulaient pas le libérer. And they didn't want to set him free. Il est revenu la deuxième fois. He came back the second time. Les esprits disent, quitte ici, va the boire le café. Asked him, leave this place, go and drink some coffee. Il prend même son café, il traverse la route, il va dans le chantier là-bas. He even chez les voisins. Took his coffee, cross the road, go on the building side. Après les esprits disent, rentre, mais qu'est-ce que tu fais ici? Later on, Jesus asked him, go back to your seat. What are you doing après, here? Il a stoppé un taxi. He stopped a taxi. Au moment où il devait monter, il se rappelle que son sac était dans la salle. The time he wanted to get into the car, he remembered that his bag. Donc il est revenu sous les bâches. And he came back here under the canopy. Est-ce qu'il est là? Is he here? Il n'est pas là aujourd'hui. He's not here today. Il est revenu sous les bases. He came back. Les démons sont venus lui dire, on te dit de ne pas venir ici, tu n'entends pas. Okay. Demon came and told him, we are asking you to leave this place. Can't you hear? Maintenant, comme tu ne veux pas, on va te tuer. Okay, as you don't want to cooperate, we'll kill you. Jésus a envoyé le genre de lumière que Paul avait eu. Jesus sent the kind of light that Paul saw. Vous savez, ce jour-là, le texte disait que la lumière a frappé Paul et ses compagnons sont tombés. This day, the text was saying that the light struck Paul and his friend, they donc, fall là, down. Le petit s'est donc mis à lutter avec eux. So the boys start fighting with them. Jésus a envoyé la lumière. Pam! Jesus sent the light. Pam! Boom! Le chef voulait fuir. Il a coigné le poteau. Il est tombé. The chief wanted to flee. He just knocked. Il ne voyait plus. C'est une lumière puissante. Même Paul, quand ça a frappé Paul, il ne voyait plus. It's a powerful light. He could not see anymore. Like for Paul. Les autres voulaient s'enfuir. The others wanted to flee. And fire surrounded them. Le comité d'organisation ne laissait pas les gens se promener. C'est les démons leur disent, levez-vous, va. Fais les 100 pas. Pendant qu'on prêche, ils font les 100 pas. Ça, c'est pour être loin du feu. Committee, please don't leave people wandering while we are ministering. There are demons who ask them to go, to get far from the fire. C'est l'une des grandes leçons que je ramène de cette croisade. This is one of the biggest lessons that I am keeping
from this qui pouvait imaginer que dans ce lieu, un jeune homme lutte avec des esprits puissants déjà. Who could imagine that in this place there is a young man fighting with powerful spirits? Qui lui demande une seule chose, quitte ici. Who ask him one thing, leave this place. Quand tu trouves quelqu'un qui dit à quelqu'un, quitte ici, quitte, quitte. If you find someone telling someone, leave this place. Je ne parle pas là des esprits, je dis des êtres humains, un être humain. I'm not talking about spirit. I say human beings. Qui dit à son enfant, tu vas dans toutes les religions, sauf à la CMCI, il y a un problème. Who tells his child, go in all the religions, but don't go in CMFA. Que personne ne vous trompe, frère. Let no one deceive you, brothers. Quand tu es dans une œuvre, when you are in a work, tu dois protéger cette œuvre-là. You must protect this world contre le mensonge, against the lies, et des faux témoignages, and the false testimonies, des hommes méchants et jaloux, of wicked men and des sorciers, the witches. Les sorciers ont toujours résisté. Witches always resisted. Il disait, concernant le prophète Jérémie, he was saying, tuons-le avec la langue, tuons-le avec la langue, let us kill him with our tongue, mentons, blasphémons, calomnions, lie on qui meurt. And slander on him and let him die. Le diable n'a pas changé. Satan n'a pas changé. Satan has not changed. Dis amen. Say amen. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Jesus cried for Jerusalem. Pourquoi? Why? Ils ne savent le peuple. Quand on dit Jérusalem là, c'est quoi? C'est les hommes. Les when hommes. We say Jerusalem, what is it? It's about men. Ce ne sont pas les bâtiments. It's not the buildings. Les hommes qui vivaient dans la ville de Jérusalem, who were living in the town of Jerusalem, ne savaient pas les choses qu'il leur fallait pour leur paix. Didn't know the things that was needed for their peace. Ils ne savaient pas. They didn't know que la priorité, that the priority, c'était Jésus de Nazareth. Was Jesus of Nazareth. Ils ne savaient pas. They didn't know que l'être humain, that a human being, a besoin de Jésus d'abord, need Jesus first, avant les choses, before things, avant le commerce, before trading, parce qu'ils sont en train de vendre les moutons dans le temple, because they were selling sheep, ils échangeaient l'argent in the temple, ils vendaient les pigeons, ils n'ont pas de temps, they were selling Jésus clothes, est là, ils ne savent, they don't have time. Si Jésus doit même rencontrer les gens, c'est au temple. If Jesus were to meet people, it would be in the temple. Mais le temple était un lieu de commerce. But the temple was a place of sale. Ils étaient riches. Les commerçants sont généralement riches. They were rich because they were traders. Jésus voulait leur dire, Jesus wanted to tell them, votre vrai besoin, your true need, ce n'est pas le commerce. It's not trading. Ce n'est pas l'argent. It's not money. Votre vrai besoin, your true need, ce n'est pas les mariages. It's not marriages. Votre vrai besoin, your true need, ce n'est pas les emplois. It's not votre job. Vrai besoin, your true need, c'est la personne qui vous rend visite aujourd'hui. It's the person who is visiting you today. C'est la personne, it's the person, qui est dans votre ville, who is in your town, en visite divine et officielle. In an official and divine visit. Lis. Read. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jésus leur a prophétisé. Jesus prophesied on il dit, je vous dis la vérité. Say, I'm telling you the truth. Parce que vous n'avez pas su because you have not known ce qu'il vous faut maintenant. What you need now. Vous n'avez pas su que je vous visite. You have not known that I am visiting pour votre bonheur. For your happiness. Vos ennemis vont venir. Your enemies are coming. Ils vont vous cerner. They will surround ils vont vous you. Tuer, ils vont vous détruire. They will kill you and destroy c'est ce qu'ils appellent des tranchées, c'est-à-dire ils vont vous, ce sont des termes militaires, ils vont vous there détruire. Are military terms. They will destroy you. Même vos enfants seront détruits. Even your children will même be destroyed. Même votre ville sera renversée. Even your town will be overthrown. Pourquoi? Why?
Il entrera dans le... Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. You have not known the time you have been visited. Cher ami, dear friend, Jésus te visite. Jesus is visiting pour ton you bien. For your good. Jésus se révèle à toi. Jesus reveals himself to pour you ton bien. For your good. Si tu n'acceptes pas if you don't accept que Jésus de Nazareth, the Jesus of Nazareth entre dans ta vie, if you don't accept that Jesus of Nazareth enters your life, les sorciers, s'ils ont des projets contre toi, leurs projets vont marcher. If the witches have some project against you, it will work. S'ils t'ont envoûté, ça va marcher. If they have bewitched you, it will work. Et tu vas périr. I will perish. Et quand tu vas périr, and when you will perish, tu n'iras pas au ciel. You won't go to heaven. Parce que tu n'as pas su quand Jésus est venu chez toi. Because you have not known when Jesus came to tu your vas house. Mourir, you will die. Pauvre. Poor. Malade. Sick. Et tu vas aller à l'enfer. And you will go to hell. Pourquoi? Why? Jésus est venu. Jesus has come. Tu ne l'as pas su. You did not know it. Tu ne l'as pas su. You did not know tu it. Ne l'attendais même pas. You are not waiting for tu him. Ne le cherches même pas. You are not seeking him. Il y a des invités qui sont ici. Ce n'est même pas pour Jésus qui sont là. There are some guests who are here. It's not even for Jesus that they are here. Pour eux. For them. Ils sont venus prier. They have come to pray. Pour leur bénédiction. For their blessing. Non. No. La personne qui t'a dit ça. The person who told you that. Dans son invitation. In his invitation. Ne t'a pas dit la vérité. Has not told the truth to you. Nous sommes là. We are. Pour nous réconcilier avec Dieu. We are here to get reconciled with God. À travers son fils Jésus. Through his son Jesus. Afin que Dieu nous apporte son secours. So that God send us his rescue. Et qu'il nous vienne en aide. And he helps us. Lis dans. Read. 2 Timothée, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Bon, lis d'abord dans Hébreu. Prends d'abord Hébreu chapitre 10. Read first in Hebrews chapter 10. Suivez bien. Follow it carefully. Lis le verset 19. Read verse 19. Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moins du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Bien en anglais. Hebrews chapter 10, from verse 19 to 22. Therefore, brothers, we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way opened for us through the curtain, that is his body. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near God with a sincere heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Amen. Amen. Jésus est venu ouvrir la porte du ciel. Jesus has come to open the door of heaven. Il est le souverain sacrificateur. He's the high priest. Il est la personne qui nous met en contact, en relation directe, authentique avec son Père. He's the person who put us in contact, in direct contact. Who is Father? Lis le verset 19. Read verse 19. Ainsi donc. Therefore. Frère, puisque nous avons au moins du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus nous ouvre la porte. Because the blood of Jesus opens the way to us, the door to us. Une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante
qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, quand tu sais que Jésus est là, when you know that Jesus is there, que c'est lui que Dieu a envoyé, that is the one God has sent, qu'est-ce que tu dois faire? What should you do? Lis. Approchons-nous tu avec dois, un cœur sincère. Tu dois t'approcher de lui avec un cœur vrai, un cœur sincère. You must draw near him with a true and sincere heart. Approchons-nous avec approche-toi. Un cœur sincère. Close. Approche-toi de Jésus. Get close to Jesus. Avec un cœur with a sincère. Sincère. A sincere heart. Continue. Go on. Dans la plénitude de la foi, avec la foi, with faith, tu crois you believe que Dieu peut t'aider. That Jesus can help c'est ça qu'on appelle la foi. This is what is called faith. Tu te dis, you tell yourself, plus de marabouts, no more plus de féticheurs, no more witch doctors, plus de coutumes, no more traditions, plus de traditions. No more traditions. Jésus me suffit. Jesus is enough for me. Le souverain sacrificateur, the high priest, qui a ouvert les portes, who has opened the doors, pour que chacun de nous puisse entrer librement, so that each one of us can have a free access, et parler avec son Père, and speak with his father. Jésus, Jesus, ouvre la porte devant toi, opens the door before you, pour que tu te réconcilies avec son Père, so that you get reconciled with his father. Ça demande que tu te purifies. It requires that you purify yourself. Lis. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Tu dois avoir le cœur purifié d'une mauvaise conscience. You must have a heart purified from a bad conscience. La mauvaise conscience, c'est quoi? What is a bad conscience? C'est quand tu as le sentiment de culpabilité parce que tu as commis une faute. It's when you feel you feel guilty because you have committed a sin. Quand ton cœur te dit tu es voleur, c'est ça qu'on when appelle you, la culpabilité. You are a thief, you are a thief, you are a thief. Ça souille ta conscience. Guiltiness. Tu as avorté, tu as avorté. You have committed abortion. Je peux être en train de prêcher comme je prêche là. I can be preaching like I'm doing. Sans même dire adultère. Without saying adultery. Mais ton cœur même déjà te dit tu adultères, tu adultères, tu adultères. But your heart itself is already telling you that alors you are moi, je n'ai adultery. Rien dit. Je n'ai rien dit. I said nothing. Je prêchais l'évangile. I was preaching the gospel. Une dame m'a dit, and a lady told me, patron, boss, je travaillais encore dans la fonction publique. I was still a civil servant. J'étais son chef. And I was a manager. Elle me dit, patron, she said, je ne viendrai pas dans votre église. I will not come into your church. Parce que si je viens dans votre église, because if I go there, j'ai des terrains, I have some fields, et des maisons, and houses. Mon mari n'est pas au courant. And my husband is not aware of that. Viens pas chez vous. I cannot go to your church. Elle m'a donné l'argent pour lui acheter une Bible. She gave me money to buy her a Bible. J'ai acheté une Bible et je lui ai donné. I bought the Bible and I gave it to her. Elle m'a donné l'argent pour lui acheter une couverture de la Bible. And she gave me some money to buy a cover. J'ai acheté la couverture de la Bible et je lui ai donné. And I bought the cover and I gave it to her. Elle gave a pris cette Bible, she took the Bible pour aller s'asseoir dans une église, to go and sit in a church qu'elle même a choisi. She chose herself. Là où elle pouvait vivre, where she could live, étant hypocrite envers being son mari. Hypocrite with her husband. Une dame, a lady, avec les mensonges, with liars, communauté de bien, community of good. Elle cache la vie. She hide. Son mari n'est pas au courant. She hides something. Je ne lui ai pas dit, madame, tu sais, quand tu vas croire, il faut montrer tes biens à ton mari. Je n'ai même pas dit ça. Je ne savais même pas. I did not tell her. You know, if you believe, you need to tell everything to your husband. Mais le Saint-Esprit lui disait, but the Holy Spirit was telling her, si tu crois à ce message-là, if you believe into this message, il faudra obéir entièrement. You must obey entirely. Tu montres tes biens à you ton mari. You show your good, your wealth to your husband. Elle a su ça. She knew that. Par la lumière du Saint-Esprit. By the light of the Holy Spirit. Le Saint-Esprit soutenait ma prédication. The Holy Spirit was supporting my preaching. Le Saint-Esprit était d'accord. He agreed. Et il m'encourageait. And was encouraging me.
Et elle était convaincue and she was convinced dans son cœur que ces gens-là, that those people, si tu vas là-bas, if you go there, ton mensonge là va finir. Your liars will stop. Si tu vas là-bas, if you go there, ton hypocrisie là va your finir. Hypocrisy will stop. Si tu vas là-bas, if you go, ta ruse là va finir. Your cunning ne va pas là-bas. Will stop. Va don't go there. Ailleurs. Il lui a montré là où il doit aller. And he shows him where to go. Frère, Proverbs, c'est très sérieux. It's very serious. Un homme peut venir ici. A man can come here. On prêche. We preach. Il reste calme. Stay calm. Il fuit. He flees. Pourquoi? Why? Il va aller fumer. He want to go and smoke. Il va aller se droguer. He want to go and il va aller take se prostituer. He want to go and prostitute himself. Il sait he knows que Jésus est là. That Jesus mais is il here. Veut se prostituer. But he want to get prostituted. Il ne va pas laisser l'orgueil. He don't want, he doesn't want to stop pride. Il est rempli de jalousie. He filled with jealousy. Rempli de haine. Filled with hatred. Il écoute. He's listening. Il écoute. Il écoute. He's listening. Il écoute. He's listening. Il écoute. He listens. Il ne prend aucun engagement. And he takes no commitment. Tu peux croire que c'est parce que tu ne parles pas bien. You can think that is because you are not speaking non. Well. No. Il est assis sur son péché. He is sitting on his sin. Sur ses asticots. In his worms. Il est là. He's there. Il sait que ça pourrit, tout est pourri, mais he il est assis tranquille. That everything is rotten, but he's sitting quiet. Après, il dit, je vais réfléchir. And later he say, I will reflect. J'ai découvert que les gens qui disent qu'ils vont réfléchir ne réfléchissent pas. I have discovered that people will say, I will go and think. Ils sont dans les chaînes du péché. They don't think. They are in the chains ils of ne veulent pas laisser le péché. They don't want to stop the sins. Elle a pris la Bible. She took the Bible. Elle est partie ailleurs. And went somewhere. Revenons dans Hébreux. Va dans Hébreux chapitre 14. Let us go back to Hebrews chapter 14. Non, Hébreux 4, 14. Pas chapitre 14. Hébreux 4, verset 14. 4, verset 14. Hébreux, chapitre 4, le verset 14. À 16. To 16. Lis. Read. Ainsi. Ainsi. Then. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur. Puisque nous avons Jésus. Since we have Jesus. Qui a traversé les cieux. Jésus qui est monté au ciel pour nous. Jesus who has gone up to heaven for us. Jésus, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. The Son of God. Demeurons fermes dans la foi. Demeurons fermes dans la foi. Let us remain firm. Demeurons fermes dans la foi. Let us remain strong in faith. Si tu es un enfant de Dieu, dis amen. If you are a child of God, say amen. Demeurons fermes dans la foi. Let us remain strong in faith. Demeurons fermes dans la foi. Let us remain strong in faith. Continue. Que nous professons. La foi que nous professons. The faith we are proclaiming. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Jésus n'est pas indifférent. Jesus is not senseless. Au contraire. Non, relis d'abord. Read again. Car. For. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur. We don't have a high priest. Qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il n'est pas indifférent. Il ne te regarde pas souffrir. He's not watching you, looking you suffering. Il agit toujours. He always acts pour aider to help ceux qui crient à lui. Those who cry out to him. Continue. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Les tentations que nous voyons aujourd'hui. Temptation. Les souffrances. Suffering. Il a souffert. That we are experiencing. Lui-même. He suffered le himself. Fils de Dieu. The Son of God. A souffert. Suffered. Lis 1 Pierre chapitre 4 verset 1 et 2. Il a souffert. He suffered. Quand il te dit. When he tells you, viens à moi. Come to me. Il sait ce qu'il dit. He knows what he is quand saying. Tu pleures. When you are crying. Il sait. He knows. Quand tu passes la nuit en prière.
When you spend the night praying, pour que Dieu te soutienne, for God to support you, il a passé des nuits en prière. He has spent night tout praying. Ce que nous vivons, il a vécu ça. All that we are experiencing, he experienced it. Seulement only qu'il a fait tout ça, he did sans commettre all de péché. That without committing donc, anything. Il est un vainqueur. So he's a winner. Il peut nous aider. He can help us. S'il avait échoué, il ne serait pas souverain. If he had failed, he would have not been high. 1 Pierre chapitre 4 versets 1 et 2. Écoute. Ainsi donc. Therefore, Christ ayant souffert dans la chair. Christ having suffered in his flesh. Christ ayant souffert dans la chair. Écoute. Listen. Vous aussi. You too. Armez-vous de la même pensée. Si tu es un enfant de Dieu, dis Amen. Arm yourself with the same foot. If you are a child of God, say Amen. Si tu es un nouveau, dis-moi aussi, je dis Amen. If you are a newcomer, say I too, I say Amen. Dis. Say it. Dis-moi aussi, je dis Amen. Say I say Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Parce qu'il faut que les démons sachent que tu es déjà prêt à donner ta vie à Jésus. Because the demon must know that you are already ready to give your life to Jesus. Donc quand nous disons Amen, ne reste pas tranquille. Dis-moi aussi, je dis Amen. So when we say Amen, do not stay there quiet. Say Amen as well. Continue. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Jésus a souffert dans la chair. Jesus souffrons aussi. Revenons maintenant dans Hébreux 4. Let us suffer. Dis la suite. Read what follows. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance. Approchons-nous donc. Let us draw near him. Mon ami. My friend. Ce soir. Tonight. Tu vas t'approcher de Jésus. You will get close to Jesus. Approchons-nous donc. Lis la suite. Let us get close to him. Approchons-nous donc avec assurance. Avec assurance. With insurance, with confidence. Du trône de la grâce. Du trône où on reçoit le pardon. C'est ça qu'on appelle le trône de la grâce. To the throne where they receive forgiveness, which is called the throne of grace. Afin d'obtenir miséricorde. In order to get mercy. Approche-toi du trône de la grâce. Get close to the throne of grace. Pour que Dieu te pardonne. So that God forgive you. Lis la suite. Et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et Dieu va donc te secourir God dans tes besoins. Rescue you in your needs. Amen. Tu t'approches du trône de la grâce. You get close to the throne of grace. Tu obtiens miséricorde. You obtain mercy. Et tu trouves grâce aux yeux de Dieu. And you find grace before God. Et il te secourt dans tes And besoins. He rescues you in your needs. Voilà les étapes. These are the steps. Tu dois d'abord reconnaître you must first of all recognize que Jésus That est la solution. Jesus is the solution. Et tu t'approches avec une foi ferme de lui. Tu t'approches And de lui. You get close to him with a strong faith. Pour obtenir quoi? To get what? Le pardon. But forgiveness. C'est-à-dire la miséricorde. It means mercy. Et de trouver grâce. And Quand tu obtiens la miséricorde, When you get mercy, tu trouves grâce aux yeux de Dieu. You find grace. To go before God. Et Dieu satisfait à tes besoins. And God provides C'est écrit. Your needs. C'est écrit. It's written. Relis ça. Read it again. Approchons-nous donc avec assurance.
Approchons-nous donc avec assurance. Let us then get close to him with confidence. Du trône de la grâce. Du trône de la grâce. To the throne of grace. Au trône, c'est-à-dire là où Dieu est assis. It means where God is sitting. Dans son règne. In his reign. Approche-toi de lui. Get close to him. Oui. Afin d'obtenir miséricorde. Afin d'obtenir le pardon. In order to la get miséricorde. Forgiveness. To get mercy. Et de trouver grâce. Et si tu obtiens miséricorde, if you get mercy, tu trouves grâce en même temps. You find grace the Dieu same ne time. Peut pas pardonner à quelqu'un God cannot forgive someone et refuser de le bénir. And refuse to bless him. Pour être secouru dans nos besoins, dès qu'il te pardonne, as soon as he forgives you, tu trouves grâce en même temps. You find grace. Et il intervient pour t'aider dans tes besoins. And he came to provide your needs. C'est ce qui va se passer ce soir. It's what's going to happen tonight. Si tu es d'accord. If you agree. Si tu veux. If you want. T'approcher de Jésus. To get close to Jesus. Lève ta main. Put up your hand. Venez. Come. Venez rapidement. Come quickly. Levez-vous promptement et venez. Come, stand up and come. Oui, venez, venez, venez ici. Yes, yes, come here. Venez, approchez-vous. Come, get close. Approchez-vous donc de lui. Get close to him. Approchez-vous de lui. Get close to him. Approchez-vous de lui. Get close to him. Avec une foi sincère. With a sincere faith. Approche-toi de lui, approche-toi de lui, approche-toi get de lui. Close to him, get close to viens. Him. Come. Viens, viens, come, viens. Come, come, come. Acclamons véritablement. Let us clap. Ça, c'est la victoire de Jésus. It's the victory of Jesus. Avec des cris de délivrance. We shout for deliverance. Venez. Come. Venez. Come. Venez. Come. Qu'aucun démon ne t'empêche de le faire. Let no demon prevent you from doing so. Satan est vaincu. Satan is overcome. Satan. Satan. Frère. Brothers. On a appris les leçons hier. We learned lève ta main, dis yesterday. Satan, va-t'en. Put up your hand and say, Satan, go away. Libère, libère. Release, release, release. Ne touche à aucune âme, ne touche à aucune âme. Touch no soul, touch no soul. Satan, laisse les âmes. Satan, leave the soul. Tu es jugé, va-t'en. You are condemned, go away. Jésus a dit dans sa parole. Jesus said in his word. Quand j'aurai été élevé. When I will be lifted up. J'attirerai tous les hommes à moi. I will attract all men to me. Les âmes appartiennent à Jésus. 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 Venez, venez, venez. Come, 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 come. Venez, 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 venez. Come, 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 come. Jésus Christ. Jesus Christ. Borobakashakarabakashakara. Si tu es un frère, lève la main. Dis Satan. Brother, put up your hand. Dans la bataille. In the battle. Qui nous oppose à toi. Which oppose us to you. Concernant le salut des âmes. Regarding the salvation of c'est à nous la victoire. The victory is for us. C'est à nous la victoire. The victory is for us. Nous agissons au nom de Jésus we de Nazareth. We are coming into the name of Jesus of Nazareth. Qui a dit dans sa parole. Who said in his word. Allez. Go. Faites de toutes les nations des disciples. Make all the nations disciples. Les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptize them in the name of the et Father, enseignez-leur à observer and the Son. Tout ce que je vous ai prescrit. To
obey all that I voici, je suis avec vous tous les jours. I am with you every day. Jusqu'à la fin du monde. Till the end of the c'est world. À nous la victoire. C'est à nous la victoire. C'est à nous la victoire. C'est à nous la victoire. The victory is for us. Dis pécheur. C'est sinner. Dis cher invité. Dear guest. Qui veut rester collé à la chaise. We want to remain stick. Parce que tu veux commettre les péchés. Because you want to go back to your sins. Tu veux rentrer dans ton péché. You want to go back into pour aller your continuer sins. À pécher. To go and keep on lève-toi sinning. Et viens. Stand up and come. Nous t'arrachons de la chaise. We snatch you out of a chair. Maintenant, où es-tu? Now where are you? Viens. Come. Viens. Come. Où es-tu? Where are you? Oui, acclamez, acclamez. Yes, let us clap. Ce n'est pas fini, il y en a encore. It's not finished. There are still people. Jésus-Christ. Jesus Christ. Acclamation. Clap. Tu sais, cher invité. You know, dear guest. Nous devons prier. We must pray. Et parce que tu traînes, tu hésites. Nous sommes en train de. Le temps ne fait que passer. You are not coming. Time is going on. À cause de toi. Because of you. On va commencer la prière tardivement. We'll start the prayers late. Lève-toi et viens. Stand up and come. Acclamez. Clap. Lève-toi et viens. Stand up and come. 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 Est-ce que c'est normal qu'à cause de toi, on commence la prière en retard? Is it normal that because of you, we start our prayers late? Ne perds pas de temps, lève-toi, tu don't viens. Don't waste time, stand up and come now. Nous acclamons pour Jésus. Let us clap for Jesus. Acclamons pour Jésus. Let us clap for Jesus. Si tu es un rétrograde, reviens vite. If you are a backslider, come back. Lève-toi quickly. Promptement, tu reviens. Stand up quickly and come back. On ne répète même pas. Lève-toi seulement. Let us not repeat. Stand up. Just stand up and come. Tu es un enfant de Dieu que le diable voulait tromper. You are a child of God. The devil wanted to. Le Seigneur te restaure ce soir. The Lord restores you tonight. Il te lave. He washes you. Il change tes vêtements. And he changes your clothes. Levez les mains. Put up your hand. Levez les mains. Put up your hands. Soyez concentrés. Nous because allons prier. Be focused. We are going to pray. Levez les mains. Put up your hands. Du Seigneur Jésus. C'est Lord Jesus. Je te donne ma vie. I give you my life.
Tu as pleuré sur moi. You have cried on me. Et tu as ouvert mes yeux. And you have opened my heart. Je sais maintenant. I now know que c'est toi qu'il me faut. That you are the one I need. Pour ma paix. For my own peace. Pour mon bonheur. My own happiness. Pour ma joie. My own joy. Pour ma délivrance. My deliverance. Pour ma guérison. My healing. Pour ma restauration. My restoration. C'est toi qu'il me faut. You are the one I need. Seigneur Jésus. Lord Jesus. C'est toi qu'il me faut. You are the one I need. C'est toi qu'il me faut. You are the one I need. Pour ma guérison. For my healing. Pour ma protection. For my protection. C'est toi qu'il me faut. You are the one I need. Pour la paix dans mon cœur. For peace in my heart. Pour la joie. For joy. C'est toi qu'il me faut. You are the one I need. Mais Seigneur. But Lord, je suis couvert de péchés. I'm covered with sins. Depuis que tu me pardonnes. I want you to forgive me. Pardonne-moi et lave-moi. Forgive me and wash me. Oh Jésus. Oh Jesus. Oh Jésus. Oh Jesus. Oh Jésus. Oh Jesus. Pardonne-moi. Forgive me. Lave-moi. And wash me. Écris mon nom dans ton livre. Write my name in your book. Écris mon nom dans ton livre. Write my name in your book. Oh Père. Oh Father. Pose les mains sur ta tête. Lay your hand on your head. Dis Seigneur. Say Lord. Posez les mains sur la tête. Put your hand. Dis Seigneur. Seigneur. Je suis fatigué. I'm tired. Je suis chargé. I'm loaded. Les maladies. Diseases. Et les blocages. And blockages. Et l'oppression des démons. And oppression of demons. Et la jalousie, la haine des hommes. And jealousy and hatred of men. J'ai besoin de toi. I need you. Oh libère-moi. Oh, guéris-moi. Libère-moi. Guéris-moi. Deliver libère-moi. Guéris-moi, 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 libère-moi de tous ces fardeaux, de tous ces fardeaux. Deliver me from all those burdens. J'accepte qu'on me sépare de la sorcellerie. I accept to be separated from witchcraft. J'accepte qu'on me sépare de la malédiction. I accept to be separated from curse. Toute sorcellerie venant du côté de mon père, de ma mère. Any witchcraft from my mother or my father's family. Même de la belle famille. And my in-laws. Et toute malédiction venant de mon père ou de ma mère. All the curses from my mother or my father. Ou des grandes familles. Ou des belles familles. Or from my in-laws. Amen. Amen. Il y a les chaises derrière, c'est vous. Regardez les chaises qui sont derrière. Acclamons Jésus de Nazareth. Let us stand for Jesus of Nazareth.